Sabe? Ok. Vous venez d'arriver à la ville de Butembo, peut-on savoir l'objectif de votre arrivée? Et comme vous le savez, nous sommes en vacances parlementaires. Au-delà du fait qu'on est en train d'organiser le plénière pour la prolongation de l'état de siège, mais le bureau de l'Assemblée nationale nous a donné la possibilité de venir faire nos vacances parlementaires. C'est pourquoi je suis présentement à Butembo. Oui, vous avez parlé de l'état de siège. Quel est votre commentaire par rapport à cet état de siège? En tout cas, on aura discuté avec la population sur cette question. Comme vous le savez, les observations sur le terrain prouvent que l'état de siège n'a pas montré ses capacités. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à régler, mais prenez votre patience, nous aurons le temps d'en discuter. Et la ville connaît la flambée des cas de Covid-19. Quel message peut-on adresser à la population? En tout cas, je vais m'engager à faire une campagne de sensibilisation pour que la population prenne conscience en observant les mesures barrières. Comme vous le savez, la ville de Butembo fait aussi partie aujourd'hui des villes qui sont beaucoup plus touchées à l'épidémie du Congo. C'est pourquoi il est important que la population prenne conscience, en tout cas en respectant les mesures barrières. Un message particulier? Un message particulier, c'est que je remercie cette population qui nous avait donné ce mandat. Aujourd'hui, si on est député, c'est parce qu'ils avaient élu le ministre Mourindo Nzangi Kitondo. Et comme vous le savez, notre constitution stipule que quand un député est appelé à d'autres charges, c'est son suppléant qui les remplace. C'est pourquoi je suis aujourd'hui député national. C'est grâce à la population de Butembo que je remercie beaucoup. Inafika Butembo ni kwa ajili ya vacances parlementaires. Munajua ya kwamba hata kama tuko tunasiege kwa ajili ya mambo ya état de siège, lakini biro ya Assemblée nationale imeturuhusu tuje tuone population ili tuisikilize na ituambie ni nini inapitikana kwa hiyo periode ya état de siège. Umesemea état de siège, wewe commentaire yako ni gani kuhusu hiyo état de siège? Bo, kufatana na ma observation zenye ziko ku terrain, population inasema ya kwamba état de siège inakuwa sasa yenye haipane resultat ya mzuri. Tutadiskute na population, nitawaambia yetuko tunafanya, nao wataniambia yetu tunaweza fanya. Anduka pamoja tutaona kama tupane ma piste de solution namuna gani sur cette question ya nani ya état de siège. Muji wa Butembo na pembeni inakuwa na magonjwa ya COVID-19. Wewe kama mchaguliwa wa Butembo unaweza kuwa na conseil gani kwa population kuhusu hiyo magonjwa? Nitawaambia population ya kwamba Butembo imekuwa nayo na hiyo flambe ya maka, ni kusema Butembo imekuwa beaucoup plus touché kama vile zingine, Goma, Kinshasa. Inaomba turespekte ma mesure barriere zenye viongozi wanatuomba turespekte, na nitafanya kampanya ya sensibilisation pour que population yote tuweze kurespekte ile ma mesure barriere na tuepuke na hii malali, kwani iko inaua sana. Unakuwa na ujumbe wa pekee kwa husu vilio kutokana na COVID na vile vile na insecurity? Ni kupana pole kwa population, kwani Butembo nayo imepoteza watoto wake wengi sana, na hasa sana na wapatia tena shukurani, kwani wamechagua Mourindo Nzangi Kitondo mwenye leo amekuwa ministre na mimi nimemremplace. Ni kusema leo kama niko mwanabunge ni kwa ajili ya hii population ya Butembo yenyewe. Nitaendelea kushukuru na ninawaomba watu sutenir, kwani kazi siyo rahisi.